Quand j'ai accepté de, de, faire, de, de me laisser filmer et parler comme ça, je voulais seulement dire quelque chose pour les Roumains. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, après 30 ans de, de liberté, de vraie liberté en comparaison avec cette, cette, cette période oui, vraiment impossible à accepter. Euh, j'ai constaté que personne ne se rappelle pas ça, ça c'est ça, 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 tragique mais c'est la santé hein, la santé de l'esprit après nous vient une génération qui peuvent nous condamner comme ça qui peuvent dire des choses dramatiques contre nous ou qui peuvent euh, peut-être euh, sauver quelque chose de... de et, et je me sens obligé de, de de dire à eux même pas <laughs> bon quand je, quand je vois comme ça qu'est-ce que je disais je me condamne parce que c'est notre vous me comprenez c'est notre histoire à nous on peut se, se, se dire ça en famille comme ça je sais pas parce que parce qu'en même temps, évidemment, c'est la vérité, mais évidemment qu'on était heureux parce qu'on on était dans, dans des, des groupes comme ça avec notre Christ que j'ai démasqué. C'est quelqu'un vraiment qui avait tout, qui savait toutes les choses. Tout, qui avait tous les raffinements possibles de comprendre la vérité, mais qui, faisait, qui était en service d'un régime diabolique. Ce serait intéressant de demander à, à Octave, toujours pour parler un peu du film, et puis on parlera d'autres choses aussi après. Pourquoi tu as envie de, de te lancer dans, dans cet entretien Toi qui es de la génération euh, bien après celle de Yankou, qui travaille avec Yankou, qui est aussi euh, organisateur euh, d'événements euh, musicaux, tu es aussi. Euh, Compositeur, parce qu'on entendra une de tes pièces ce soir, je pense un peu aidé par Yankou d'ailleurs. Euh, donc pourquoi tu as envie de, de te lancer là-dessus Qu'est-ce qui est important justement pour ta génération de faire passer avec ces archives-là Merci de cette question. C'était justement euh, à ça que j'étais en train de penser. Je suis d'une étrange génération qui avait, euh, disons, un peu vécu dans, dans, dans le système d'avant 89. Moi, j'avais 13 ans et euh, je me rappelle, euh, disons, des choses dont Yankou parle, la pénurie, la manque, je ne sais pas, d'essence euh, pour sortir en ville avec la voiture. Et en même temps, je n'ai pas de mauvais souvenirs par rapport à ça. Quand on est enfant, tout est bien, tout est, tout est sympa, quelque part. Enfin, on est content de, de la vie qu'on a. Et euh, euh, après, j'ai quitté, euh, disons, la Roumanie pour faire des études. J'ai vécu à l'étranger. Aussi quelqu'un d'âgé, quelque part, et euh, j'ai entendu parler de, de la musique de Yanko Dumitrescu pour la première fois à Chicago. Je n'avais jamais entendu de, de sa musique en Roumanie. Quelqu'un m'a dit là-bas Ah, vous êtes de Roumanie, vous devez savoir euh, Yanko Dumitrescu, Et j'ai trouvé là, à la bibliothèque municipale, un CD, j'ai écouté. Bon, Je peu importe. Pas, Exactement, c'est ça. Donc, on commence, en effet, sans savoir les choses et, et leur contexte. Non, euh, pour revenir. Vraiment à, à ta question à, et à ce contexte. Donc ça, c'est un brouillon de recherche. Peut-être que ce n'est pas encore un outil, mais euh, on a commencé euh, cet effort, euh, disons, avec euh, Maria, euh, dans l'idée que peut-être écrire un papier, écrire un article, ça sert peut-être encore moins que, que parler avec, euh, disons, la personne recherchée. Il euh, y, y a aussi une façon de faire disons, la mémoire euh, et de, 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 de sauver des choses pour le futur ou ne pas le sauver, à les mettre dans une lumière ou dans une autre. Euh, ici, en effet, on montre beaucoup sur, quelque part, l'incohérence d'une telle recherche parce qu'on veut oublier. Je ne parle, parle pas de lui, je, je parle de, de toute notre société en général. Mais revenons à ce que je disais au début. Je suis de cette génération qui a quelque part aussi la tâche de comprendre. Donc pour ça, on a rentré euh, dans quelques détails comme ça, un peu qui euh, sont même pour moi pas clairs, après avoir, disons, commencé ça. Donc en, en cherchant dans les tiroirs de, de Yankou, euh, chez lui, dans cette maison qui a, vous avez vu, tellement d'histoires, il y a tellement de choses qui sont passées là-bas. Euh, j'ai découvert dans ces affiches, et ce que j'ai trouvé sur les affiches, c'est le concert débat. J'étais très interpellé par cette forme. Je ne sais pas comment, comment disons, la... La, la montrer euh, dans un film, mais ça, ça viendra quelque part. On, on a concept, cette idée d'organiser, pas un concert, mais un concert débat. Qu'est-ce que ça veut dire, j'imagine Ça veut dire de, 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 de ne pas affirmer quelque chose, mais de le mettre en relation avec d'autres choses. Il y avait une formule sur une des affiches, euh, la création entre valeurs et expériment. Donc, toutes ces formules, euh, formules qui ont été exploitées dans le temps pour. pour euh, ils ont pour continuer, pour lancer, pour, pour faire une œuvre qui a montré euh, sa fraîcheur, comme il vient de, de le dire dans le film, me semble importante. On verra vraiment si, euh, mmh. si elles peuvent nous éclaircir et peuvent nous amener vers des moments encore plus importants pour, pour cette musique euh, qui sont, disons, dans les années 90. Euh, donc ça, c'était juste pour jeter un coup d'œil à quelque chose que même moi, je ne comprends pas. On voit à la fois dans cette période-là, puisque cette, cette partie du film, euh, vous êtes surtout sur, sur la période Ceausescu, communisme, est euh, extrêmement euh, difficile, et en même temps qu'il y a une grande, et une grande effervescence, j'allais dire. Possible dans cette époque impossible. D'ailleurs, tu mets souvent cette opposition possible-impossible, tu en parles assez souvent dans, dans tes réponses, euh, où il n'y a pas seulement euh, Yanko Dumitrescu, mais aussi euh, Radulescu, Nemescu, euh, euh, des grands chefs d'orchestre euh, qui t'ont également influencé, des grands intellectuels, des grands musiciens également. Euh, et et là-dedans, tu vas créer le premier. Euh, Studio de musique électronique dans les années quand tu étais étudiant au conservatoire de Bucarest. Et donc voilà, il y a quelque chose en même temps de très possible dans euh, cette dictature. Donc il y a comme un, un contraste euh, très très fort. Est-ce que tu pourrais justement un peu éclairer ce, euh, cette espèce de va-et-vient entre euh, tous ces, ces, ces grands compositeurs et ces expérimentations euh, qui aujourd'hui nous parlent encore, on l'a entendu avec des morceaux parfois qui dataient des années 60, euh, et en même temps cette période très noire dans la vie quotidienne. Il y a comme un, un grand paradoxe. Oui, très grand paradoxe. Finalement, de, 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 l'idéologie est contrôler vraiment les, les verbes, les textes. Les, la censure, c'était dur, c'était vraiment dur. Dans le roman, dans, dans un roman qui était déjà approuvé et hein, était, était printé, quand même, je ne sais pas quelle, quelle commission idéologique comme ça, dit sortait 30 pages ou quelque chose, qui était décisive pour. Pour l'œuvre comme ça, c'était quelque chose important et déjà déjà auto-censuré par par, par l'artiste. bon, pas par, toi. pas par moi parce que bon, je, je, c'est double. J'étais en même temps journaliste, en même temps musicien. Donc quand je, je, suis, je parle de musicien, je suis avec Hyperion, je suis avec. Donc toujours et c'était possible mais impossible. Dans ma génération, quelques, quelques personnages comme ça, Paul Goma, c'était quelqu'un qui était publié à Paris. Il a fait prison, je ne sais pas, six ans de prison. Vous pouvez imaginer, il était étudiant dans l'université dans parce que, je ne sais pas, il a proposé dans, dans un cercle. C'était quelque chose assez restreint comme ça de, de, il a il a lu quelque chose qui était un peu ambigu comme ça et il a été dit arrêté pour trois ans hein, sans qu'un qu j'aimerais que tu expliques quand même un peu la jeunesse de ce studio de musique électronique parce qu'en en Belgique ça, et dans d'autres pays évidemment ça fait écho parce que plusieurs pays ont ont eu leurs studios souvent en lien avec la, la radio, avant VDR en Allemagne, BBC en, en Angleterre, RAI, etc., et, et RTF en France avec Pierre Schaffer, etc. Mais là, en Belgique, on a eu dans les années 60, d'ailleurs, Léo Cuper avec la, la RTBF aussi, qui est un compositeur dont on soutient le travail et d'autres fort heureusement et qui a maintenant 80 et des ans et qui sera aussi dans Stisonic en concert bientôt on lui rend hommage lui c'était aussi dans les années 60 mais là on, tu fais ça dans les fins des années 60 sous le régime de Ceausescu au conservatoire en tant que, que jeune compositeur avec sans moyens je suppose donc comment tu as fait ça et qu quelle était l'énergie finalement que tu as pu euh, réunir pour faire euh, cette, cette aventure là qui était très pionnière je ne peux, peux pas te dire. Hein. Peut-être que c'était une prédestination. Je crois dans, dans, dans cette sorte de, de, de prédestination. Il y a quelque chose, tu es né déjà. Euh, quand tu sors, euh, tu es né avec des, des habilités, des compatibilités, des choses. Ça, c'est le destin. Il y a un parcours qui est déjà établi. Je ne sais pas par qui euh, on présuppose. <laughs> qu'il y a quelqu'un qui est responsable de ça. De toute façon, je suis bon. Quand je parle de ça, je, il faut que je dise, je suis venu de, 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 je suis la troisième, de, la quatrième, peut-être euh, la quatrième génération des de intellos comme ça qui étaient qui était près de, de l'écriture, qui était journaliste, qui était, je sais pas, c'était aussi le cas de, de Horatio Udoblescu, son père a fondé un revue culturelle il, il, a, il a fait il a fait des études à Rome il était phénoménologue ça c'est aussi Incroyable, pas, pas, je ne savais pas que, que même à Rome c'était la phénoménologie, c'était quelque chose à la mode comme ça, comme je ne sais pas, l'avant-garde dans, dans les années 60, 60 50. Donc euh, c'est donc très complexe. La littérature pouvait être censurée, la musique non, parce que pour ces, ces gens excusez-moi très limité on peut dire même idiot parce que vraiment euh, il savait quelque chose sur la musique mais il comprenait rien rien de la musique classique c'était un, un danger Beethoven Mozart euh, Scriabine, je ne sais pas ah, si j'arrive à Prokofiev à tout ça, ça, ça c'était déjà ça c'était déjà euh, Bombe atomique à l'époque. Mais c'était venu. Euh, c'était une période. Prokofiev, il, dans, dans l'instant de la révolution de 1920, on peut dire, il revient nostalgique. Quelqu'un, quelqu'un, l'influence à discuter avec. Viens chez nous. Hein, on t'attend. Tu es un grand musicien. Tu es Prokofiev, Tu es un homme. Notre révolution ici à Moscou a besoin de toi. Tu peux expliquer. Tu deviens le plus grand compositeur. Et après. après Quatre années comme ça, il était interdit. Hein. Il n'a pas pu donner de conseils Donc tout était en même temps, en même temps on peut dire promettant, mais en même temps très, très restrictif. Quelque part, tu as joué de cette idiocie entre guillemets, parce que tu as pu faire oui, des choses <laughs> qui ne comprenaient pas dans l'ombre. Je ouais. peux... Ouais. Je peux confirmer. Oui. Donc c'est une nouvelle génération qui comprend une petite niche, qui, qui, qui ont vu une petite niche où tu, peux, tu pouvais vraiment avancer sans dire ou traduire. Et comme ça, quand, quand tu as dit que... Je, que tu as vu ici que je voulais expliquer la musique j'ai constaté que si j'explique mm -hmm. et en, 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 quand quand j'ai commencé à expliquer même même j'ai pensé donc c'est ça c'est ça l'importance de, de l'oralité tu, tu clarifies parce que tu es obligé pour le médium de de, de, de donner des de, de choses claires en même temps tu, te, tu te clarifie toi-même. Donc, j'étais un compositeur lié à euh, notre, euh, notre histoire euh, ethnographique en Roumanie. Hein. Je me sens quelqu'un venu <laughs> avec une histoire qui me pousse en avant, qui est une histoire de 2000 ans, de, de, de traque et tout ça. C'est une période politique un peu nationaliste Ceausescu, il, il, il a été un peu progressiste de, de, parce qu'il n'était pas tout à fait pas, pas à fait internationaliste. L'idée c'est un prolète, internationaliste prolétaire oui. ou quelque chose comme oui. ça. Donc il était il est devenu il était il a, il a fait ses études militaires comme ça, à Moscou deux ans. Après ça, il est, il est introduit en Roumanie pour, pour appliquer de leur... Il était sélectionné, il était parmi, parmi les, les plus horribles et élémentaires comme intelligence. Euh, il ne pouvait pas parler le roumain, il était roumain parfait, mais il ne parlait, il parlait pas, il, il parlait avec, avec toutes sortes de... de, 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 de d'erreur, de, de, de faute. De faute oui. pas, pas seulement de faute. Mais il est, il est devenu, après 5 ou, ou, ou six ans, c'était le cas de Tito. Tito en, 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 en Yougoslavie. Ouais. Il était aussi de, amoureux de, de, de cette idée, de, on fait une, une société égalitaire où tous les, tous les gens sont capables. Mais quand il est revenu, il, était, il a constaté qu'il était dirigé par quelqu'un très proche de lui qui lui disait ici à, à l'oreille :« Non, non, ça c'est pas bien. Il faut faire ça. Il faut dire ça. Il faut arrêter. Ah, ça ne me. Cette physionomie, ça ne me plaît pas. Ça semble à quelque chose de bourgeoisie. Je ne sais pas quoi. Je sais, il, il, il avait une fabrique. Son fils. » Fait quelque chose avec lui éventuellement dit dans la prison il, est, il, il a une double facette mais, bon. mais dans, dans ce contexte là dont tu, tu fais ceci de musique électronique mais ce qu'on parfois ce qu'il ce qu faut rappeler c'est que la musique spectrale en tout cas en Roumanie par Rapport peut-être à ce qu'on appelle la musique spectrale, du terme d'ailleurs euh, de, de, de Dufour, le compositeur français, euh, parce qu'avant on ne parlait pas oui. en soi de musique spectrale, et il y a une école française bien connue avec Tristan Murail, Griset, Dufour, oui, cette école-là, des grands je compositeurs, mais qui paraît plus théorique entre guillemets. Que euh, la musique spectrale roumaine que tu représentes avec euh, le défunt Radulescu et d'autres, euh, Anna Maria Avram évidemment également partie trop tôt, euh, et là il y a quelque chose qui rejoint justement la musique populaire, la musique folklorique. Euh, donc toi tu t'inscris quand même dans, dans, dans ce côté, euh, cette oui. tradition euh, millénaire populaire, et puis tout d'un coup tu fais euh, des. des des studios de musique électronique. Alors, comment, comment tu vois ce, ce lien-là entre cet héritage euh, d'un suis... travail harmonique très spécial des musiques euh, euh, parfois microtonales, euh, euh, par exemple en Transylvanie, enfin celle que Bartok aimait bien justement, et, euh, et euh, la musique électronique Parce Je, que tu mélanges très deux mondes. C'est oui. très compliqué ça d'expliquer, de, très. Oui. très... Professionnel, oui, je ne sais oui. pas si c'est si important. C'est que j'étais au commencement, je, je, je voulais voir tous les, tous les aspects à gauche, à droite, en haut, en bas de, de, de la musique. J'ai eu. C'était aussi quelque chose, peut-être. Peut-être tout était jugé, tout était. Par exemple, c'était l'ambassade euh, d'Allemagne euh, en Roumanie. A, a fait, euh, chaque mois, il avait un bulletin. Dans un instant, ils ont jugé, non, peut-être c'est mieux de faire euh, pour l'architecture, pour la littérature, pour, euh, un résumé de qu ce qui se passe en Allemagne. En Allemagne, c'était quelque chose après la guerre comme ça, une, une force. Et en musique, c'était presque 80%, c'était Stockhausen. Parce que Free Europe, c'était très, très important. Pour Il passait la musique de Stockhausen à Radio des, Free Europe Des, des ouais. petits instants des comme extraits, ça. Mais ouais. des Et. La brochure me donnait des dates précises, parce que tout était vague, c'est réalisme. Bon, 12, 12 c'était quelque chose comme dans une prison, quelqu'un, un prisonnier, euh, euh, prendre une petite idée. On est 12. Hein? 12 sont donc dodecaphonique, ça c'est 12 sont. Mais, mais comment on fait comment Bon, dans la revue, c'était... Explicité, mais à un niveau de liberté, comme ça, que, si tu veux comprendre beaucoup, tu, tu as ici, tu as ici des fichiers, des, des, des choses comme ça, donc tu peux avancer. Mais moi, non. Donc j'étais obligé de refaire à mon niveau, comme une petite spéculation, toutes, toutes les techniques comme ça. Et j'arrive. J'arrive à découvrir un type sériel absolument banal, si vous voulez, mais absolument génial. La gamme chromatique. Donc, de Webern et tout ça, faisait Do, Fa, dies, Fa, Becker, Mi, Té, Tati, Mais qu'est-ce que j'ai découvert Do, Do, dies, Ré, Ré, dies, Mi, Fa, Fa, dies, Sol, Té, et comment je pouvais faire Do, dièse, ré, fa, do, ti, ti, absolument chromatique comme ça Qu'est-ce que j'ai au oh, proprement dit J'étais, 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 comme on dit, insatisfait par le forme sérielle chez Webern. Parce qu'en même temps... C'était un système trop fermé pour toi. Non, mmh. c'était par contre. Ah, c'était le contraire. <laughs> c'était le contraire. On avait des, ti des tierces, on dit. Hein, ouais, hein, oui, voilà. oui. Des tierces, des choses comme ça. Donc, je, des, des consonances mmh. et des dissonances. À mon avis, ça, ça, ça c'était bon. bon c'était d'une radicalisme pour tous les bouquins, tous les revues. C'était mm -hmm. quelqu'un absolu idiot. Qui, qui j'imaginais quelque chose de plus fort. Donc do, do di, or do si si bémol. C'était ma mélodie, ça. Une gamme, gamme, une gamme chromatique. Mais la gamme chromatique, les, les intervalles c'était égaux. Donc pas de consonance, pas toujours cette idée de, 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 du même intervalle. Donc j'ai tombé dans un radicalisme qui était en même temps la simplicité terrible. Je peux, je peux éventuellement vous jouer quelque chose d'approximé. Je ne sais pas si, si... Parce que ça, c'était longtemps, 50 ans. Ce n'est pas grave, parce que tout à l'heure, on, on entendra là où toi, tu vas. Oui. <laughs> Parce que tout à l'heure, justement, dans la répétition, tu as demandé au bassiste et à la violoniste de se désaccorder, de se désaccorder, voilà. parce que, que j'ai besoin d'une certaine manière pour certaine avoir un de, sur, sur les harmonies. Pas seulement des sons. J'ai accepté. Après, je ne sais pas combien d'années, j'ai accepté que c'était même théorique. Ça, euh, j'étais obligé d'accepter la théorie, la théorie euh, d'acoustique ou mm. le, le noise. Où la, le bruit est, est, est dans l'intérieur du son. Parce que dans la série d'harmoniques, de, de, il y a des passages qui sont micro-intervalles, qui ne sont, micro qui sont de, pas du tout Fa dièse, pas du tout f -f 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 Sol bémol, c'est un, un com, sont de neuf com, neuf inter, petits intervalles entre. Entre... Mais vous, les Occidentaux, faites attention. <laughs> Moi, je suis un nationaliste. Qui vient ici. Non, non, c'était. Justement. Une période on... communiste, j'étais un tout petit peu nationaliste parce que c'était comme une réserve. Contre le communisme, je voulais revenir à une tradition roumaine. J'ai découvert, par exemple, Bartok. Bartok, c'était, c'était un Hongrois. Les Hongrois, ils ont perdu Ardal, la Transylvanie. On peut dire comme ça toujours il y a, il y a une petite, je sais rivalité, pas, rivalité, rivalité, angoisse comme ça. Et Bartok, c'était un, mais beaucoup d'autres encore, tous les intello. Hongrois sont, sont d'une générosité, d'une capacité absolument extra exceptionnelle. Et Bartok a, a aimé ça en Transylvanie. Il a fait des recherches absolument fondamentales, incroyables. Il a, il a découvert, il était excité de, dans, dans de, beaucoup de choses, mais, mais ça, les micro-intervalles. Donc, ici, tout, tout, ici en Occident, euh, tous les sons qui sont avec une boulature, comme ça, comme on dit, la, 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 les, les touches, touches hein, oui. sont égaux. Donc c'est quelque chose d'artificiel. Euh, c'est splendide, hein, mais ça existe depuis longtemps. C'était l'orgue, la même chose. Euh, tu, tu, tu égalisais Do, Do, D, E avec Ré, Ré bémol, Do. Ça n'existe pas quand tu joues le violon, quand tu joues violoncelle, quand tu joues flûte. Ça n'existe pas toujours c est, c est quand tu joues Ré, Ré bémol. Ré bémol, c'est avec un coma euh, plus bas que, que... Quand tu joues Do dièse, Do, Do dièse, Ré, tu es avec Do dièse toujours moins proche de, de, de Ré. Donc, euh, un peu... Et finalement, c'est ça. Finalement, Horatio euh, Radulescu mon collègue, euh, moi, j'étais je, je, comme ça contre lui et lui contre moi. moi. La petite jalousie, peut-être, si ça existait. Euh, il, il a systématisé les choses que Bartok a, 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 a fait. Bartok a dit, a noté comme ça, euh, euh, dièse, c'est comme ça et d'autres deux barres comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait Il a, il a dit, euh, euh, monésis, c'est comme ça. Donc, on a diésis ici. Euh, ici, on a monésis. Monésis, une barre avec deux barres comme ça. Euh, euh, ici, on a diésis avec deux barres comme ça, diagonales. Et on, on a triésis avec deux barres comme ça. Donc, une contribution pour l'écriture absolument mmh. remar remarquable. Mmh. Monésis, ça mmh. n'existait pas, mais existait diésis. Donc, il a créé un, un nombre parce que c'était diésis, donc deux, on peut dire. Et triésis, mmh. c'était... Mais est-ce que, voilà. est que justement cette, cette richesse harmonique ou ces subdivisions microtonales qu'on ne trouvait pas d'habitude dans la musique classique occidentale, est-ce que, donc pour revenir vers, vers la musique électronique, et par exemple, la synthèse granulaire, des choses comme ça, on peut oui. aussi partir de toutes petites voilà, choses. Oh, c'est là oh, on voilà. trouve le lien peut-être, qui, qui t'intéresse. Oui, et, et dans ta musique, acoustique. tu mélanges les, les deux apports. Oui, mais je n'étais pas du tout illuminé dans toutes les choses comme ça. J'ai aimé pur et simple le folklore roumain. Le folklore roumain, c'était un folklore, on peut dire, un alphabet. C'est quelque chose de naturel. Mmh. La orale, c'était pas naturel. écrit, c'était oral. Ouais. Oui, mais, mais hein, ce n'était pas une doctrine, parce que 2000 ans, c'était un alphabet, donc, donc pas des écoles, pas rien, je ne sais pas mm -hmm. ce que c'était. Mais quand même, la langue roumaine d'aujourd'hui, c'est à peu près la même langue qu'il qu y a 2000 ans. Ça, ça, mm -hmm. ça, mm -hmm. Seulement la Grèce, euh, <laughs> se peut, <laughs> je peux imaginer qu'il... Que, qu qu et alors, aussi dans ton parcours. Ah, pardon, Octave, tu voulais euh, dire quelque chose Juste, j'essaie de, de retrouver quelque part une information euh, avec l'aide de Yankou. Euh, je pense que dès années 62, il euh, y a un des professeurs de, de, de sa génération qui a parlé de d'un disons, d'une un, technique dans, dans cette musique euh, traditionnelle qui euh, a. Et a mené après à, à, à d'autres recherches et, et à d'autres types de disons d'écriture et euh, ça c'est ça se passe donc en 62 euh, et disons cette musique spectrale commence avec une musique instrumentale liée quelque part à la tradition de, de la musique orale euh, découverte par Bartok Transylvanie et plus tard dans les années 69 ce studio de musique électronique apparaît et Là, euh, il y a plusieurs essais qui sont faits euh, dans ces directions. Le nom musique spectrale, par contre, a été utilisé pour des procédés similaires, mais réalisés plutôt à partir de l'électronique et pas à partir de la tradition orale, par les, mus... par les compositeurs français, avant qu'ils soient appliqués, disons, euh, en Roumanie par les Roumains. C'est un peu ça, disons. Euh... Oui, oui c'est intéressant, mais j'ai perdu une idée. Euh, Ligeti, Ligeti mm. était citoyen roumain, il vivait jusqu'à 57, euh, euh, il vivait à Bucarest, il était chercheur de musique dans un institut, dans l'institut avec ce trésor folklorique, il, 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 trans, il a transcrit les, les cylindres comme ça, c'était la tradition de Bartok. Peut-être il était aussi si. Euh, et, et influencé. Ça s'entend dans certaines de ses pièces, oui. évidemment. Et oui. il a découvert, j'ai écouté. Aujourd'hui, c'était, je ne sais pas, après sa mort, Il y a une, après notre mort, pour les œuvres, sont je ne sais pas, 20 ans ou quelque chose, ça dépend de la vie. Mm -hmm. 20 ans de. de de restriction de voir qu'est-ce que c'est dans, dans l'intérieur qui, qui, que, que le compositeur laisse laisse voir ou, ou pas mm. mais c'était peut-être la période comme ça et on découvre la rhapsodie roumain écrite par, par lui parce qu'il était chercheur dans dans, la, dans et il, il c’était comme un laboratoire de, de musique, de, de composition pour il a orchestré des, des choses de, de, de folklore. Il a transcrit, il a transcrit mille, mille mélodies comme ça qui ne sont pas publiées. Mais elles sont, elles sont euh, apparues récemment. Alors, en, 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 pour continuer un peu dans le processus historique. c'était c'est très mais, important parce, oui. parce qu'il découvre une possibilité de faire hétérophonie. Ça, dans toute ma musique, dans beaucoup d'autres musiques, on, 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 la solution, c'était hétérophonie. Donc, non polyphonie non euh, harmonie c'était entre les deux donc on avait une, une ligne mélodique mais on fait une, une variante de ligne ça ça existe aussi dans mm -hmm. la, la musique euh, folklorique roumaine ça existe hein. et ça peut être très savante parce que tu peux jouer avec huit ou vingt huit je sais pas mm -hmm. lignes de musique similaires mais autrement... Euh, coiffé. <laughs> Je vois ce que tu veux dire. Alors, pour, pour continuer, dans, dans, on a parlé des, du studio de musique électronique. En, sept, en 1976, tu fondes Hyperion, que tu qualifies d'un groupe multimédia, déjà à l'époque, pour défendre des musiques expérimentales. Euh, mais c'est pas seulement tes œuvres, c'est aussi celles de Radoul Lescou, de Kazaband, de Nemeskoud et Anna-Maria Avram qui va co-diriger. Euh, Hyperion euh, avec toi, bien entendu. Euh, donc il y, y a toute une. Est-ce que c'était une scène Est-ce qu'on pourrait dire que c'était un groupe de, de, de musique d'artistes C'était sont... un médium de recherche proprement dit. Donc j'ai eu besoin de vous préparer, excusez-moi, de vous préparer à ça. Donc on, de, vous venez chez moi à la maison. On, on boit, on mange hein, et on, on commence à jouer le, la flûte. Et on commence avec cette, cette, cette idée de voir qu'est-ce qui se passe. C'est seulement pour tout, 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 tout. Non. <coughs> like Nshakouati ou multifonique non non c'est bien mais encore plus tu as fait ça trop rapide non plus lent s'il te plaît fais cette, cette dispersion de, de spectre sur mais qu'est-ce que tu fais tu, tu as seulement si parce que les flûtes classiques de la musique de la musique de l'orchestre si le... hein ah tu sais tu sais je peux prolonger ici parce qu'il y a pour l'accordage il y a pour l'accordage en fait au maximum parce que j'ai c'était si bémol non ah, si c'est pas grand chose est ce que tu peux avoir aussi là oui je peux je constate ces c'est solide. Donc, toute un recherche de, de pousser au maximum. Donc, un laboratoire tous expérimental, les, comme oui, il y avait eu le les studio, avec un ensemble avec à un géométrie variable. Parce que oui. là, tu as joué, euh, donc vous avez joué il y a deux jours à Londres, c'était avec une dizaine de musiciens. Oui. Ce n'est pas essentiellement oui. les mêmes Maintenant, musiciens ici. C'est ça, c'est oui. la, la synchronicité. donc. Partout, j'étais à New York, euh, j'étais comme un paysan romain à New York, <laughs> je me comprends. Euh, donc, euh, mon anglais c'était imparfait, c'était. Mais immédiatement, parce que, parce que dans, dans l'information universelle, c'est déjà l'humanité a avancé avec un projet, un, un, un projet dans, dans cette. Euh, donc il y a une perspective, une nouvelle perspective qui existe dans la musique. Une musique non notée. Pourquoi Parce que c'est si complexe. On peut noter, on peut écrire des textes très rigoureux et très précis parce que chaque, chaque œuvre doit avoir un profil spécial. Donc on, on découvre l'élémentarité. De, 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 de procédures pour avoir des profils différents. Donc, j'ai essayé ça avec la flûte, j'ai essayé avec le clarinette, j'ai essayé avec la trompette, avec le trombone. avec Donc, en même temps, j'étais influencé par, par le musicien. En même temps, j'ai influencé, j'ai développé avec eux. Donc, l'hyperion de première instance était un, un laborateur avec, avec des gens qui étaient qui étaient des gens qui pouvaient vraiment avec leur force, avec leur capacité sensible c'était pas possible d'écrire, c'était de vivre mais ça vient aussi de, par par la voix de, de mon maître Serge Chelibidash, il a donné aussi le grand chef d'orchestre, oui. chef d'orchestre qui était aussi phénoménal. Il, il commençait la répétition avec le degré zéro de l'écriture en Donc personne ne sait, ne sait qu'est-ce qu'il faut faire pour Beethoven, par exemple. Personne ne sait c est, c est, donc il faut que, que, que premièrement on passe sans aucune sans aucun, un, 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 intention historique de, de de dire on sait qu'est-ce que c'est la cinquième de Beethoven on sait rien on découvre donc si c'est comme ça papa papa pa, ça c'est pas là mais ça compte aujourd'hui Comment on fait On fait plus parce que dans, dans les partitions, tout est simple, papa papa, papa papa, c'est égaux. Mais pour l'expression, c'est c'est la même, c'est le même texte, mais avec un, 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 un semiton plus plus haut. Et il faut répéter comme ça. Hein, de principe, phénoménologie, rien ne se répète. Donc, il faut. Un... Alors, justement, tu parles de phénoménologie, et ça, je pense, c'est quelque chose qui t'a très influencé. persécuté euh, Oui, peut-être. Persécuté positivement, je pense, mais c'est via justement ton maître, euh, enfin, celui que tu appelles ton maître et père spirituel, ce chef d'orchestre, euh, Célie euh, qui pensait que. Voyait la musique comme, comme la vie, comme un devenir. Hein, Donc, idée presque oui, Nietzschéenne en fait aussi. Oui, et, la, et la phénoménologie t'a amené aussi à la pensée de Husserl, qui t'a beaucoup marqué. Et ça, je crois qu'on l'en voit même dans, dans les titres de, 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 les des, titres. de, de tes œuvres. Hein. Euh, je, voilà, euh, Diachronie, Métamorphose, Alternance, euh, Ariphonie etc. Ah, aussi, une référence vrai. à Harry Albrecht, ah, je et suppose, Albrecht, je je le grand musicologue. Euh, qui t'a beaucoup défendu en Belgique et à l'étranger, Paix à son âme. Et donc, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de, justement de cette, euh, de, cette, euh, de cette marque, finalement, philosophique qui, 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 que, que tu essaies de mettre en, en, en vie musicale Oui. Toujours, je répète, c'était Serge Celibidaki. -Bidak, qui, qui a donné a donné une possibilité de, une possibilité réelle parce que c'est ça donc la phénoménologie du peintre du peintre c'est quoi comment tu peux commencer qu'est-ce que tu peux faire la deuxième fois c'est peut-être ça je, je traduis avec mes idées mais pour un peintre c'est peut-être l'idiotie absolument parce que mais c'était comme ça donc, qu'est-ce que tu fais avec le deuxième, le, le deuxième son après que tu as réussi Donc, l'intention, c'est ça. La, la, la transmutation, la pression qui est nécessaire. je, je sont seulement des mots, mais je veux, je veux vous dire un tout petit peu. Je veux donner un exemple. Oral, comme ça, buccal. un peu. Rien à faire, donc on est obligé à, à, à pousser parce que c'était comme ça, c'était c'est fini, c'était un coma. Après ça, une virgule. Euh, après ça, on revient. Donc, quand, quand, quand les choses se terminent comme expression, comme possibilité de dire quelque chose, important c'est ça, de dire quelque chose avec les sons. Donc, le son. Donc, le crach, oui. si je peux dire ça de de, Boulès, de pierre oui, boulet oui. c'était qu'il était formel pi combien de minutes tu peux tu peux être comme ça tu, tu comprends c'est splendide mais c'est artificiel c'est une construction cérébrale on dit mais c'était tout le plus et quoi encore hein? Dites-moi, dites, le marteau 100 mètres, j'ai écouté mille fois peut-être pour comprendre qu'est-ce qui se passe avec la... Comment, comment... Est-ce que Boulez aimait ta musique Non, ouais. je crois non, parce que euh, j'ai vu la réaction contre Oratio Radulescu, il était comme ça, comme moi, d'ailleurs comme, 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 comme on est. Hein. Euh, un peu comme ça. Mais pour revenir Déjà, à, à la pensée ça, de la phénoménologique de Husserl qui t'a marqué, pour, pour Husserl, ce il, con, il parlait souvent du son et il parlait d'aller à l'essence du son. Ah, le et c'est vraiment ce qu'on entend dans ta musique. En fait, c'est la recherche permanente. Tu vas à l'essence de la vie du son, oui. qui Donc est à est, la fois un devenir et en même temps, c'est centrifuge et centripède. C'est pas avec pas. C'est un voyage, avec, toujours. C'est. Oui la phénoménologie, ça existe réel, existe dans la musique de Mozart, existe dans la musique de Ravel, là, existe partout, sans être phénoménologique. Mais quand, quand on, on a dit presque tous les, toutes les choses sont déjà vues dans la musique, donc on a vu même, même Webern, qu'est-ce qu'on peut faire C'est la fin. Le, la, le, fin, le final de la, de la musique c'est la fin du temps mm -hmm. et on a découvert quelque chose qui était en même temps musique populaire de, de, si on parle d'une musique de, de, comme ça historique yeah, enregistrée par Bartok qui est, qui est vraiment qui est vraiment incroyable in, 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 in ça existe sûrement si tu es paysan limité ou non limité dans la musique. On peut dire des primitifs. Hein. Il y a une, une peinture primitive, il y a une musique primitive. J'ai revenu à cette idée du primitivisme en même temps, mm -hmm. et, 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 mais j'ai appliqué une théorie informatique, parce que l'informatique, c'est aussi quelque chose qui... Qui est presque lié à la phénoménologie. Euh, donc, on donne, on donne un message, on donne un sens. sens. C'est ça. Mm -hmm. mm -hmm. C'est la transcendance. Transcendance, c'est quel sens à, à, à cette, cette musique, cette phrase Mais On sent dans ta musique à la fois quelque chose qui est très tellurique, qui est vraiment comme la terre volcanique, c'est la Terre qui n'est jamais stable finalement, qui a toujours une forme d'instabilité avec laquelle tu joues très fort et puis ce côté cosmique aussi ce côté plus, euh, plus céleste qui, qui nous emmène vers, vers d'autres galaxies sonores et tu disais euh, tu parles de ta musique qui est presque une forme de métaphysique de survie tu dis ça dans ce très bon petit livre, recueil d'interviews et d'articles, Akousmatik Provocateur acousmatique qui est sorti euh, euh, il y a déjà quelques années euh, aux éditions Aurier à Londres et tu te retrouves dans, dans, dans cette phrase de provocateur acousmatique. C'était l'heure <laughs> Je me retrouve oui, mais, 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 provocateur. Hein. Euh, Ça provocateur, c'était un provocateur communiste. Si tu oui, étais oui. provocateur pour ça, tu... D'autant plus que c'est écrit en rouge ans. et que tu pourrais oui, avoir un oui, portrait d'une prison pas. communiste. Parce qu'ils oui. étaient <laughs> communistes anglais. D'accord. Mais en même temps, la, même la notion d'acousmatique dans laquelle on te range parfois paraît assez étroite par rapport à, à ta musique qui, qui me semble plus hybride que purement oui, acousmatique. Oui, oui, oui. Parce que la richesse, il faut pas renoncer à la richesse de la musique. Tout par contre, il faut il faut il faut conquérir, il faut pousser, il faut penser à cette richesse, exploiter cette richesse du son. C est, c est, le son, c'est plein de plein de de richesses, plein de de, 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 de des points absolument complexes qu'il faut vraiment chercher de je sais pas vivre dans 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 cette coin un tout petit mmh. peu à ces coin du cosmos cette coin de, de je sais pas quoi de secrets de de de, de, de de monde inconnu, quelque des part aussi. et, et, et suspect, parce qu'il y a des bat battements, il y a des choses dans le son mm -hmm. qui ne sont pas comprises. Est-ce que c'est accepté comme, -ce... comme les sons des étoiles. Est-ce que son... c'est intégré aussi la notion de chaos ou d'accident dans ta musique Parce que c'est une oui, musique quand même très écrite. Parce... Oui, parce qu'en même temps, on vit dans la vie réelle. C'était John... John Cage. John Cage donnait une valeur exceptionnelle à l'arbitre l'arbitraire comme ça ou à l'absence de, de la vibration ou un cumul de de, 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 mmh -hmm. de phénomènes comme ça qui se développent ça ça aussi ça, donc moi je suis une synthèse, synthèse de, de plusieurs fois mais il faut continuer dans dans, dans cette direction je crois et je, je vous invite de, de cherchez vous-même, c'est à vous de chercher, c'est à vous de, de, mm -hmm. de, de, de découvrir peut-être avec une petite, une petite pensée comme ça, je suis optimiste hein, quand vous voulez quand vous voulez ici les résultats qui sont, sont des résultats qui vous appartiennent, ce sont pas moi le compositeur d'ailleurs il propose quelque chose si la société se reconnaît reconnaître dans dans, dans cette spéculation personnelle mm -hmm. ça, ça déjà devient objectif donc l'objectivité c'est quelque chose qui se passe entre nous donc le dialogue qui représente Excuse-moi que c'est si difficile pour moi de. de, de non, mais tu, de je pense que tu l'exprimes bien. j'aimerais bien qu'Octave, justement, parce que j'avais envie d'avoir un peu la, la parole aussi à la fois d'une autre génération avec qui tu travailles, et à la fois, euh, qu'est-ce que tu demandes à tes interprètes C'est pas facile, je pense, d'être un interprète d'Hyperion. Et, et en fait, tu l'es aussi ce soir. Et, et en plus, tu as composé une pièce, je pense, avec euh, l'assistance de Yankou. Donc, en tant qu'interprète et, et collaborateur de Yankou, que, comment est-ce que tu sens cette, cette exigence-là Ou qu'est-ce que ça ouvre ou pas chez toi Il euh, y a dans, dans sa musique que je ne cesse de, de, de couvrir. Euh, une période euh, qui euh, s'est basée euh, beaucoup sur des textes écrits, euh, enfin sur des, sur des partitions qui étaient euh, très développées et qui euh, poussaient quelque part l'écriture. Euh, et euh, depuis un assez long moment euh, qu'on se connaît, euh, je, je regarde euh, comment il essaye de s'amplifier encore plus ce processus en euh, étroite union avec euh, les interprètes qui, euh, qui participent dans ce projet, euh, euh, l'ensemble Hyperion. Euh, et euh, sa façon à lui de, quelque part, passer d'une un, musique qui est faite avec seulement des interprètes qui ont des études, euh, disons, spécialisées. À une musique qui est plus englobante et peut aussi attirer des interprètes qui sortent de, 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 de ce courant de musique expérimentale qui, quelque part, avec l'informatique, s'en passe de, de la page écrite avec les notes, euh, me fascine et euh, me, me aussi me donne, disons, du courage parce que, euh, en effet, euh, en tant que. Conducteur qui, euh, enfin conducteur en tant que chef d'orchestre. Chef ouais. euh, Yanku a développé une, 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 disons une technique qui peut quelque part dépasser, euh, dépasser la, la stricte notation. Donc euh, la référence à la phénoménologie. De mon point de vue, c'est quelque part une référence à une dramaturgie phénoménologique. Il y a, y, a, y a une façon d'envisager de, la le voyage qui est la pièce musicale qui, euh, qui passe par euh, ses expériences et, et son savoir-faire depuis si longtemps. Donc, euh, ce que, par exemple, moi, j'ai développé euh, pour ce soir avec l'aide de Yank où c'est une sauce électronique qui, après, est euh, complétée les interventions des, des instrumentistes qui sont déjà euh, rompus à ces techniques. C'est quand même des, des techniques assez virtuoses aussi, de, de faire sonner un violon de mille façons différentes. Exactement. Mais après avoir, par exemple, pour Diana Mirone qui va jouer ce soir, ou Laurentio qui sont euh, euh, des gens de, de, de Bucarest qui ont joué avec Yankou des dizaines, centaines de fois... Euh, disons que sa façon d'écrire la musique est parce rentrée sous la peau et est devenue maintenant euh, mmh. une, un savoir-faire qu'ils peuvent développer euh, des fois même euh, un, sans 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 disons euh, le reste de l'ensemble euh, réuni donc euh, je me base aussi sur, euh, sur ce développement qui voilà réunit disons l'oralité euh, qui était à la base euh, proposé Bien. dans ses textes et dans, dans sa musique C'est vrai qu'on peut remarquer que l'ensemble Hyperion International, d'abord, il, il a des gens très différents euh, il, a des, il a souvent des, des musiciens assez jeunes, hein, on va le voir aussi ce soir, et, et d'autres générations comme Tim Hutchinson, qui date d'une autre, autre, autre époque et qui a une histoire aussi intéressante avec les musiques improvisées actuelles. Euh, d'un rock expérimental aussi, pas seulement la, la formation classique, euh, un peu avec la bande de, de Chris de, 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 oui pardon, de, de, de Chris Cutler et Chris Cutler avec qui vous avez une collaboration pour les éditions modernes, pour les CD que sortent Hyperion déjà depuis les années 80, donc on voit bien que là aussi il y a des croisements avec d'autres entre guillemets branches expérimentales et puis aussi plus jeunes je pense à Stéphane O'Malley de le fameux euh, guitariste du groupe Sun Ho qui joue quand même assez souvent avec Hyperion aussi et là c'était pas quelque chose qui était attendu au départ mais en même temps quand on, on écoute la musique de Sun Ho et, et leur drone parfois post-apocalyptique une espèce de dark ambient comme ça, on peut retrouver euh, des moments euh, dans euh, les, les pièces de Yankou Juste très différentes, mais qui, qui, qui rejoignent ce, ce sentiment, peut-être. Juste pour donner encore quelques noms et une idée, c'est dans les dernières plus de dix ans, euh, il y a toute une série de, de chefs d'orchestre assez, assez importants et de toute façon très ouverts envers euh, une musique expérimentale qui ont aussi contribué, euh, disons, à, à quelque part élargir le cercle des interprètes et... Um Comment dire euh, se mettre derrière la position de, de Yanko et de sa musique et de sa relation avec euh, l'ensemble Hyperion. Et là, euh, j'aimerais parler de Ilan Volkov, euh, un, un chef d'orchestre euh, de, de partout dans le monde finalement, mais qui a été euh, qui est très important euh, et qui est très dédié à la musique de Yanko Dmitrescu. Il y a Richard Carrick de, 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 de New York qui est aussi euh, avec d'autres musiciens là-bas euh, dans ce projet de de, de, de continuer euh, une, une musique à la façon euh, spectrale de Yanko Dimitrescu Et il euh, y, y a comme ça un sort de réseau. C'est ça. ça. Non, non, à leur façon aussi. Hein. Donc, Donc ils ils, ayant des résultats différents. Dans, dans, mm -hmm. libre, oui, Mais je pense que à la, de la même manière euh, que. Tu revendiques une forme de nomadisme que tu as toujours eu, parce que l'ensemble Hyperion et toi-même et ta musique et les CD d'ailleurs touchent des, des pays très très différents entre New York, Londres, Paris, Bruxelles et, et Bucarest et tout le reste. Et en même temps, il y a aussi une itinérance, un nomadisme au sein même de ta musique. Il y a, il y a, il y a le voyage interne dans la musique et ton voyage à toi dans la vie qui sont liés. Et tu as toujours dit que tu étais contre toutes les formes de provi provincialisme. Pas provincialisme au sens d'habiter dans une petite ville, mais provincialisme au sens de mentalité étriquée, de système fermé. Oui, j'ai rien à dire. C est, c est pas... Ah bon, d'accord. <laughs> Merci de ton approbation. Alors juste pour terminer, je, je voulais te dire un petit mot aussi, parce que ce soir, il y aura des créations de Yanko un Dimitrescu, une création de... D'Octave Avramescu et aussi une pièce d'Anna Maria Avram, qui je pense n'a pas été jouée en Belgique. Anna Maria Avram, qui était euh, bien sûr une compositrice euh, associée au mouvement spectral roumain très importante, co-directrice d'Hyperion, compagne de Yankou depuis très longtemps, musicologue. Je voudrais juste que tu on termine un peu là-dessus pour lui rendre un peu hommage aussi. Quelle était pour toi la spécificité de son écriture musicale, de sa recherche musicale, et, et, quelle a, et, et comment dans cette collaboration très intime que vous avez eue, euh, finalement, Hyperion, c'était aussi votre bébé à tous les deux. Donc, nous parler un peu de sa spécificité artistique pour toi. C'était un accident comme ça. Euh, un accident heureux très heureux, oui mais malheureux finalement tout tout commence intéressant et heureux et comme ça et se finit tragique elle a disparu il y a deux ans et demi à peu près est-ce que, est que tu peux décrire un petit peu son écriture musicale, son monde musical à travers certaines de ses pièces comme celle que tu as choisie ce soir Excuse-moi, je ne peux pas, pour l'instant je suis fatigué, je, il ah, faut que je... je D'accord. Ça, ça me bloque, oui, c'est quelque bon, chose comme désolé. ça. Désolé. Ouais. Il a disparu comme ça, je peux, ça, je peux te dire, Mais 2017, je me rappelle... Oui, en deux minutes ou trois minutes, il a disparu. J'ai parlé avec elle et j'ai constaté que j'ai pas de, de réponse. C'est incroyable dans, dans quelle forme on peut mourir. Ça. Il faut mmh. dire comme ça. Hein. On mmh. peut mourir. Finalement, donc en deux minutes, on n'est pas. Bon, qu'est-ce que j'ai perdu J'ai perdu une compagne, j'ai perdu un amour, j'ai perdu, en même temps, un grand artiste. Mes problèmes, si on peut dire comme ça, mes problèmes philosophiques, c'était d'essayer de, de, d'objectiver... Ma méthode de composition, hein, ma méthode. De... Mmh. <laughs> tu comprends que, que j'étais malade depuis longtemps. <laughs> et, et comme ça, elle est venue. Il était premier prix de conservatoire. De, Il était musicologue de, aussi. Il était musicologue aussi, des penseurs, on peut dire. Et, et quoi Et mais. Euh, euh, on s'est connu comme ça. Quelqu'un me disait que au Festival International Georges-Unesco, euh, il faut que je présente une musique de quelqu'un et, et je demande à, à, à quelqu'un de, de le chef, pratiquement, de, de, un chef de sous-chef de, de, de l'ensemble Hyperion membre de la Philharmonie, il m'a recommandé euh, une ah petite euh, étudiante euh, qui, qui fait une musique qui, lui, il croyait que c'était ça, c'était pas ça. Euh, c'était... Elle était préviante au conservatoire il elle faisait quelque chose à la limite supérieure de, 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 du, du conventionnel que, que, de, du entre sa génération et ma, ma mmh. génération, c'était 20 ans peut-être. La mmh. différence entre nous, c'était 30 ans. Et, et quelque chose comme ça. Donc, même dans le conservatoire, c'était un bouleversement intérieur et un changement profond. Il était assez près, mais pas radical. Et en même temps, on était, moi et, et l'ensemble, Hyperion, était invités à Paris pour, je ne sais pas, trois concerts, quatre concerts, comme ça. C'était quelque chose d'inattendu et provocant au maximum. Et en même temps, vient quelqu'un et je, te, je, recommande, je recommande cette fille. En deux jours ou trois jours, elle est déjà marié avec tous les papiers comme ça c'était ma femme euh, parce qu'elle a compris c'est ça elle a compris rapidement que c'est quelque chose qui qui le manquait dans, dans son et, et, et elle était pas très bien préparée finalement j'ai réussi dans, dans la même époque c'était une époque vraiment exceptionnelle j'ai Pu avoir à Paris l'orchestre philharmonique de Bucarest, une centaine de musiciens comme ça, avec les instruments et tout ça, faire une tournée, ainsi que de je ne sais pas combien. Et j'ai mis dans, dans le programme aussi une pièce d'elle et une pièce de moi. Il faut il fallait pas exagérer ça mais parmi d'autres je ne sais pas c'était Ravel c'était Debussy c'était des choses comme ça de succès pour, parce que l'intérêt de, 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 de l'orchestre philharmonique c'était euh, bon qu'est-ce que je voulais dire ah, je voulais dire que, que, que je, immédiatement j'ai dit à elle voilà il faut faire une pièce euh, je me rappelle ça avec, avec nostalgie, avec la tristesse, parce qu'après, euh, elle ne pouvait pas, elle pouvait pas com composer avec moi dans la même maison. J'ai besoin, je ne suis pas là, à notre état, j'ai besoin d'être seul. Mais écoute. Tu prends trop de place. C'était le premier ministre, écoute. Je ne peux pas, peut-être. Mais maintenant, on est dans la même famille. Faites comme ça. Finalement, je découvre une possibilité d'une terrasse, mais c'était froid. dans de, de composer bon j'arrive après elle ne me laissait pas de voir elle voulait être euh, non influencée comme ça bien euh, de temps en temps parce que j'étais marié n'est-ce pas j'ai je, 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 je surveillé bon c'est formidable hein, tu as commencé euh, très bien ça oui oh, comme ça c'est mais après quatre pages elle tombait dans je ne sais pas quoi Qu'est-ce que tu fais? Je... Mais comment? Ce... Maintenant, tu tombes dans, dans l'école roumaine comme ça, conservatrice et je ne sais pas quoi. Hein. Je me rappelle ça parce que j'étais terrible dans mon enthousiasme d'avoir de, de, à Paris. De, de, de... Bon, c'était le double de moi. C'est ça. Donc, c'était une réussite parce que c'était la multiplicité de la phénoménologie musicale. Et c'était du coup une grande représentante aussi de la musique spectrale et, romaine. Et, et absolument indépendante de moi. Oui. C'était le seul moment que je, je, je disais seulement ça. Qu'est-ce que tu fais Tu tombes dans la, dans la structure romaine, comme ça. Donc on peut dire 20 compositeurs qui, qui étaient braves, mais, mais pas, pas provocantes, qui n'étaient pas novateurs. J'ai senti rapidement, à cause aussi de Harry il faut... C'était un maître d'ici de vous. Mmh. C'était quelqu'un, un visionnaire qui soutenait à Paris et à Londres, soutenait des, des gens. Et aux États-Unis, il, il a tenu des... Des, des, des conférences comme oui, ça. Et puis ici, euh, il a au Canada. Il a beaucoup soutenu uh, Jacinto, Chelsea, uh, qui Jacinto parfois, Chelsea, qui Parfois, oui. on t'associe alors que tu avais déjà bien longtemps. On peut pas Donc, dire je suis ici influencé par parce lui directement que, oui. parce qu'on est très amis. Ce monsieur-là, mm -hmm. qui est un prince de la, de la musique, qui, qui, qui connaît des choses euh, absolument... absolument profonde et spéciale que peut-être personne, ou hein, il ne faut pas insulter d'autres, que peut-être très peu de gens peuvent, peuvent comprendre et mm -hmm. peuvent même influencer. C est, c est, il, il, était, il était comme, euh, comme un, euh, un, un prolongement dans, dans l'avenir euh, de Harry Albrecht. Harry Albrecht était aussi un pionnier comme lui. Je le sais, oui. il m'a dit vers, vers, vers la fin de sa vie, je ne sais pas, sa, peut-être il savait quelque chose. Il y a quelques années, oui. Quelques années, il, il m'a dit il faut respecter, attention, euh, tu as ici un hein, des, des grands moteurs de la musique qui vient se naître ici. Il faut que, Quel fardeau, donc, après Ariel Brecht Oui. <laughs> donc, c est, c est, nous sommes. Nous sommes comme, comme des frères, hein On peut <rire> se, se <rire> permettre de dire comme des frères à cause de, de, du fait que qu ici aussi c'était une école. Et on s'est retrouvé à trois à de la je Belgique. Pourquoi pas Paris oui, Parce que sûr. Paris c'était aussi éclatant, c'était aussi fabuleux mais avait besoin de d'un critique qui ne jugeait pas comme ça ah, ça c'est valable aussi mais ça aussi c'est valable donc on est trois compositeurs ici on est on est absolument contradictoire <laughs> tu fais autre chose parce que est indépendant non? autre chose que moi non. bon autre chose mais projeté vers l'avenir ça c'est le pif, on hein c'est le pif, quel, quel, où est l'avenir, qu'est-ce que c'est l'avenir C'est quelque chose. Et il disait, voilà, Horatius, c'est l'avenir. Mm -hmm. Même pour moi, à Bucarest, quand j'étais arrêté à Bucarest, comme ça, je pouvais pas sortir, je savais qu'un grand musicien qui est belge, qui était belge, hein, qui venait à Paris, il a découvert la musique de Horace comme quelque chose d'un prima d'unique, oui. Et je pense que c'est ça qui est intéressant aussi. Bien sûr, Ariel Brecht avait avait sonné il avait, et cette énorme connaissance musicologique, mais aussi de, de préserver et de déceler la singularité, l'altérité en fait oui, dans la musique, qu'elle soit d'origine classique pour lui. Moi peut-être aussi dans les arts sonores ou d'autres choses, on peut se retrouver là-dessus en tout cas. Ce qui est à préserver, c'est ces, ces, ces altérités, ces singularités, en devenir, puisque tu en dis qu'on est toujours, on, on est toujours tourné vers, oui. vers une vie, euh, une vie qui se construit en fait, et une musique qui se construit. Oui. Voilà. M Merci à vous tous. Merci à votre pays. C'est un pays qui, qui représente quelque chose d'important. Vous êtes ici dans les, les milieux des de, 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 de flux et reflux de, de toutes les choses, du nord au sud, et de l'est de à l'est. C'est fantastique. Je vous aime, je vous, je vous respecte et je vous dois beaucoup. Je, je veux vous inviter. En Roumanie, peut-être, on pouvait faire ensemble des, des, des choses en Roumanie. Je veux, je veux profiter de vous. Vous avez je déjà veux... votre billet. <laughs> parce que oh, parce que c'est ça pratiquement. Il y a une distance réelle entre l'Ouest et l'Est. Il faut il faut réalimenter et alimenter toujours, mais même pour l'Est, je veux dire, alimenter oui. avec, avec votre capacité de, de, de réception, de soutenance, de, de quoi, je ne sais pas, de rêver, de voir quelque chose parce que c'est votre destin. Mais en même temps, vous avez peut-être euh, vous gagnez quelque chose euh, comme ça on peut dire... Euh, euh, en passant avec les pieds nus comme ça sur le sable, c'est comme ça. Tout, est, tout bouge dans l'est. Tout n'est pas sûr, mais en même temps, c'est résistance, c'est la résistance, c'est, c'est la dureté. C'est, c'est comme la vie. La vie, c'est comme ça, un effable. C'est ce que tu disais. On pourrait peut-être terminer là-dessus. La musique est presque une forme est presque une forme métaphysique de survie. Nous sommes des survivants, mais des survivants forts et en même temps fragiles. Merci.